Bonjour, très chers amis, bonjour, bienvenue à ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche qu'on appelait le dimanche de la miséricorde divine. Oui, c'est le pape Jean-Paul II lui-même qui a voulu que, après Pâques, que ce deuxième dimanche soit le dimanche de la miséricorde divine. C'est un mot qui nous servit souvent, le mot miséricorde. Mais, moi tu en viens avec Zod. Nous sait comprendre qui ça mot-là veut dire. Qui ça veut dire la miséricorde? En fait, ce n'est pas un mot qui nous besoin de comprendre. C'est une action qui fait nous comprendre qui était la miséricorde. Et moi, moi pour raconter Zod, une action qui nous vit bien souvent. Et qui finit toujours faire moi comprendre qui était la miséricorde de Dieu. Mon fils trouve lui à la prison, parce qu'il est à la prison tous les samedis. Les temps de prisonnier, dis-moi, vous n'avez pas gagné visite. Il a dit, au fin gagné visite, c'est mon maman qui vient visiter moi. Parce qu'il te tout fini abandonne moi. Parce que c'est un drogué, comme beaucoup de drogués. Il est dans la drogue, fait l'ia dansante, il revenir, il retomber, il pas travail, il coquin, il est drogué matin au soir. Il pas occupé sur madame, il pas occupé ses enfants, il pas occupé ses parents. Mais il dit à moi, c'est le dimon qui a mis fin laisse lui tomber, c'est son maman. Et là, je comprends qu'était la miséricorde. La miséricorde, c'est pas. Au fin de faire tout cela pour toi, te continuer même, mais m'abandonner. Quand peine la miséricorde, nous disons, comment dire, la loi. Nous disons l'action qui dit mon peut faire. Et nous disons, tu peux continuer, mais m'arrêter à ce là. Mais par contre, pour une maman, sa garçon, il reste toujours ce garçon, sa droguée, il n'a pas drogué, volé, taqué, infréquentable, peu importe, pour lui. Il reste toujours ce garçon. Et là, on comprend qu'était la miséricorde. La miséricorde, c'est pas. C'est au que dit là parce qu'il y était vraiment pour lui, ce garçon. Pour maman, là, c'est ce garçon. Et là, on dit comme ça. Quand bon Dieu dit nous, il fait une miséricorde, c'est qu'il guette nous comme à ses enfants. Il n'est pas guetté qu'il action qui nous vient faire. Même si nous faisons une fois, deux fois, trois fois, il continue. Parce qu'il dit à nous, il peut pardonner 7 fois, 77 fois, dit à nous dans l'évangile, Jésus dit à nous. Bien sûr, pour moi, l'endroit côté une grande injustice vis-à-vis des enfants de Dieu, c'est quand l'Église dit à nous qui ben divorcé, remarié, pas capable de prendre la communion. Nous excluons autres. Qui fait, une parole qui vient dire, tu quitteras ton père et ta mère, tous les deux feront une seule chair, et on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Bien sûr, c'est vrai. Alors nous disons, Jésus finit de dire ça, nous devons respecter sa parole. Mais Jésus pas fini de dire ça. Jésus dit, nous sommes un camarade, et un camarade jamais abandonne son camarade. Jésus, l'étant l'été rencontré, la Samaritaine, qui tient déjà 6 hommes dans sa vie. Jésus pas fini de dire, qui veut être une route de l'eau? Qui veut être une mauvaise la vie? Qui veut être autre homme? Jésus, jamais dit ça. Jésus dit, je peux donner toi de l'eau. Un de l'eau qui peut donner toi la vie. Oui. C'est une parole qui nous vient garder. Une autre parole encore, c'est quand sa garçon là vient, il n'a rien, il quitte son papa, il n'a rien, quand il revient. Papa, il trouve ce garçon. Il pas dit, il coûte son rôti, qui t'a fait une fête, un dépense mon amour, il pas guette ça. Quand nous guette un dimoun par ce dimoun, là nous comprend. Parce qu'un divorcé remarié qui pas commis, il a beaucoup souffrance. Il dit comme ça, à cause ça, je n'ai pas gagné le droit de gagner la communion. Mais la communion finit faire pour nous guérir, pour sauver nous. Pas fin faire pour, comment dire, faire nous payer, nous péché l'eau la terre. C'est alors l'église. L'église est une maman. L'église retrouve ce rôle maman. Comme une maman occupe ses enfants jusqu'à dans bout. Eh bien, l'église, bien
à travers ce parole, à travers ça qu'il finit recevoir, les bizarres reviennent à la miséricorde et non pas à la loi. Parce que la loi condamnait, zizait, mais la miséricorde lui donne le pardon. Oui, l'Église est appelée à pardonner aux divorcés remariés et à leur donner la communion. Ou pas donner la communion à un dimoun qui est malade, ou pas donner la communion à un dimoun qui peut la manger, ou pas donner lui manger, ou dire lui, mais tu n'as pas besoin de manger. Non. Grand merci, pape François. Les filles ne font rien de grand quelque chose. Ils ont besoin d'ouvrir ça à l'église. Là. Nous avons besoin de la possibilité à ceux qui peuvent, qui doivent, qui demandent la communion et qui veulent communier et qui sont vraiment engagés dans cette église. Donne-nous la communion. Pourquoi la miséricorde, c'est un bon endroit côté l'église besoin d'ouvrir ce l'équerre. Parce que si vous fermez l'équerre, vous n'avez pas gagné le droit de communier, mais ça veut dire que vous parlez moins, non? Ou dire, moi, je vais communier, je vais venir, écoute la parole. Oui, d'accord, mais vous parlez moi communier. Ça veut dire, vous parlez moi. Mais que c'est moi, allez. Non, nous devons accueillir. Comment bon Dieu, nous guette des gens là, comment nous enfants. Et quand nous guette les comment nous enfants, nous pas guette son action, nous guette ses enfants qui étaient là. Et à cause de ça même qui guérit lui, et ça même qui met lui debout. Alors, en ce dimanche de la miséricorde, nous demandons, bon Dieu Papa, mette dans nous l'équerre, un l'équerre, écoute nous guette du monde comme nous enfants, et non pas zis comme quelqu'un qui nous condamnait, qui nous zisait. Alors, la semaine prochaine, je t'ai annoncé hier sur Facebook qu'il me pouvait faire la messe à le dimanche. Mais mon corps, du monde, c'est plus facile de sortir dans samedi. Ben, ça qui est plus un bon musicien. Ben, c'est qui pour avec nous, c'est plus facile dans samedi, c'est pour cela, ben, c'est qui pour faire la retransmission. En cause, nous pouvons faire donc samedi à 4h à Saint-Patrick, nous pouvons faire la messe du troisième dimanche de Pâques. Alors, nous donnons rendez-vous samedi sur Facebook et probablement dimanche, nous pouvons dire un des petites paroles dans l'homélie à 9h. Bon dimanche à vous tous. Et bon confinement.